Bonjour à tous, c'est Cheval Jaune et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un top 5 des pires aux meilleurs coiffeurs du monde. Et là vous allez me dire, Lilou, t'as fait quoi à tes cheveux? Bah oui, ils sont raides. Bah ça s'appelle aller chez le coiffeur, c'est pas très compliqué, ils m'ont coupé les cheveux. Il m'a dit, tu préfères les avoir bouclés ou raides? Je dis, je vais essayer raides et du coup ça fait ça. Ne vous inquiétez pas, je vais dans l'eau, je vais dans la piscine, je prends une douche, ça revient bouclé. Vous me verrez encore bouclé, inquiétez pas. Ouais, donc on commence avec le top 5 des pires aux meilleurs coiffeurs au monde. D'abord, le pire, c'est celui qui te coupe les cheveux. Mais il te raconte sa vie en même temps. Comme ça. Qu'est-ce que je vous fais comme coupe? Une coupe bocasse. D'accord. Vous savez, moi à la maison, j'ai un chien. Ça s'appelle Pompon. Et puis j'ai aussi 3 lapins. Et j'ai aussi dans l'écurie un cheval. Je passe les voir toujours vers 22h. Ouais, super bien. Au revoir. Au revoir. Numéro 4, c'est encore un pire. C'est celui qui te coupe les cheveux. Et quand tu sors, il t'a fait un méli-mélo du je sais pas quoi. Parce que tes cheveux là, ne ressemblent à rien. Comme ça. En coupe, un carré plongeant s'il vous plaît. C'est bon. Merci. C'est pas une... Ça tient même pas son truc. Et le troisième, c'est un peu entre les deux. C'est le coiffeur qui te coupe correctement les cheveux. Et qu'après, à la caisse, bah ça fait comme ça. Je vous fais quoi comme coupe? Une coupe bocasse. Parfait. Venez voir payer. Alors, vous voulez encore prendre rendez-vous? Ah, vendredi, très bien. Quelle heure? Ah, 5h. Parfait, on est là. Avec quelle coiffeuse? Tania, très bien. Vous vous accrochez ça. À vendredi alors, au revoir.